monsieur Anthony Daniels. Monsieur Daniels, c'est un immense honneur de vous recevoir ce soir. Excusez-moi, pour commencer, il faut que j'explique. Dans tous les films Guerre des Étoiles, je joue un rôle de robot doré, c'est très bien, qui parle couramment plus de 6 millions de formes de communication. Heureusement, malheureusement, la langue française n'est pas là. Donc je vais continuer dans un langue que je connais bien, le franglais. Ça va? C'est bien. Puisqu'on est en train de parler de langue, justement, connaissez-vous la personne qui fait le doublage de vos voix françaises? Ah oui, bien sûr. Il faut que j'explique encore. Quand j'ai fait la part sur la scène, je porte dans ma casque un petit transmetteur, là. Et je parle, mais ils sont comme... C'est inutile. Hein? Donc, j'allais au studio avec un grand écran comme ça et j'ai dit « Hello, I am C-3PO, Human Cyborg Relations. » C'est-à-dire en anglais. En français, c'est tout à fait différent et c'est très gentil en Roger Carrel. Oui? Mais je crois qu'il est maintenant en retraite. Il a pris sa retraite et c'est donc Jean-Claude Donda pour la dernière. Oui, c'est ça. Excellent. Donc, Anthony, vous nous parlez de votre costume justement. J'aimerais savoir combien de temps il faut pour vous habiller. C'est pénible. Hein? Au début, c'était vraiment pénible. Parce que je suis là dans le désert de Tatooine. Oui. Horrible, horrible. Et voilà, toutes les pièces de la costume sont rangées comme ça. Et ça dure 2 heures pour placer toutes les pièces sur mon corps. 2 heures, encore plus de 2 heures, je crois. Et pour la tête, ça dure plus de 20, 30 minutes parce qu'il y a des petites choses comme ça. Vraiment, je veux quitter la scène, je veux rentrer chez moi. Mais je suis dans un désert et, plus important, j'ai signé le contrat. C'est vrai. Et justement, votre costume, combien de pièces comporte-t-il pour vous habiller? C'est... Non, j'ai... Ok. Parce que c'est donc mal, là. Je compte. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et 19. C'est ah oui, oui, oui. 19, le plus important, je crois. Oui, c'est vrai. C'est très compliqué. Justement, donc, votre personnage dans le premier Star Wars a une jambe argentée. Ah oui. Comment ça se fait? Eh ouais, il y a quelqu'un dans la salle ce soir qui m'a demandé aujourd'hui, est-ce que c'est vrai que vous avez porté une jambe en cuivre? L'argent. Argent, oui, en argent. C'est le cuivre, là. En argent. C'est vrai, mais c'est un moment très, très subtil. George Lucas a pensé de dire que ces droits bio avaient eu des aventures. Des désastres, des accidents, avant que le film fasse le tournage. Donc il a ajouté un genre comme ça. C'est une bonne idée, mais c'est très très subtil. Donc il n'y a personne qui a aperçu ça. Tout ça changerait dans ce film, oui. Est-ce que vous avez aperçu quelque chose de différent de ces doigts ce soir? Un bras rouge. Le bras rouge, oui.
C'est l'idée de J.J. Abrams. J'ai dit le bras rouge, non. Il a dit oui. J'ai dit non. Il a dit oui. J'ai dit non. Il a dit moi je suis chargé d'affaires de la firme. Je suis en charge, oui. Donc je porte le bras rouge. Mais attendez, attendez, attendez. Souvenir les mots. Non, il y a une petite surprise peut-être. Ouais. Donc il y a le trailer de l'épisode 9 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah, et ouais. Dans ce trailer, on vous voit avec des yeux rouges également. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là? Oui, les yeux rouges, bonne surprise. Je crois la vérité. Vous voulez la vérité? Oui. Non. Oui. Non. Ok. La vérité, c'est le décollage. Le décollage, oui. Parce que j'ai fait beaucoup des trajets sur l'avion, parce que c'est meilleur là. Mais vraiment, épisode 9, oui, il y a plein de surprises. Et plein de musique aussi, comme ce soir. Donc justement, l'épisode 9 arrive dans 2 mois, The Rise of Skywalker. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est la troisième fois que je suis là pour la fin d'une trilogie. Oui, pensez, trois fois. Chaque fois, je pense que c'est tout, ça finit. Oui, mais c'est vrai. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Maintenant, 7, 8, 9. Et c'est la fin d'histoire de Skywalker, la fin de Skywalker. Donc, il y a bien sûr des autres histoires en notre place dans la galaxie. Mais je crois que c'est la dernière fois qu'on a vu le robot d'or dans un film. Ouais. Pour moi, sur la scène, c'était le moment du sommet, oui. Après, combien des ans? Oui, parce que j'aime beaucoup la caractère. Merci Antoine. On est là devant un superbe orchestre qui nous joue merci à vous, les musiques de John Williams, qui accompagne magnifiquement les Star Wars. Avez-vous eu déjà l'occasion de rencontrer John Williams? Ah oui, bien sûr, beaucoup de fois. Il est vraiment un gentil homme, exceptionnel, superbe. Mais la première fois que j'ai fait rencontre avec lui, c'était bien sûr devant un orchestre à Londres. Et pour cette soirée, j'étais encore et j'ai pris la baguette. Quelle puissance! Oui, c'était super. Et croyez-vous que quand j'ajoute ma voix sur l'écran, il n'y a pas de musique. Il est tout à fait silencieux. Et bien sûr, il y a des acteurs sur la scène, etc. Mais ça manque beaucoup. Et quand on ajoute la musique, ça vive. Ça arrive. Et je pense vraiment que la musique de John Williams dans la saga de Star Wars, c'est vraiment un caractère comme plus grand que Darth Vader, plus belle que la princesse. Il est une chose très, très importante pour toute la saga. Un jeu de rôle. Qui avaient entendu que vous avez écrit un livre. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Il faut dire que le livre, c'est un peu plus mince que ça. Mais c'est ça, avec le photo de J.J. Abrams, j'adore lui aussi. Est-ce que oui, c'est le premier livre que j'ai écrit. Et c'est le dernier.
C'est vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu du contenu, de l'histoire de ce ça contient beaucoup des histoires de ma vie, dont, bien sûr, dans la scène, au studio, etc., dans 11 movies de Star Wars, 11 movies sur la scène, mais aussi il y a beaucoup de choses autour des films de guerre des étoiles, des histoires de ma vie dans la Star Wars Holiday Special. Est-ce que vous avez vu ça? Tragédie. The Muppet Show. Super, j'adore ça. Et beaucoup des histoires des autres choses, comme au sujet de John Williams, et au sujet des 501st, et bien sûr au sujet des fans des films. Parce que sans les fans, Episode 1, Episode 4, A New Hope, would have been the only film. Some people came and they saw it and they went to get their friends and they came in and they became fans. They brought their other fans and their friends and their other fans. And a huge family grew, a huge family. It became a different word then. It became viral. And it grew and it grew and it allowed us to make another film, Episode 5. And then another, Episode 6. And another and another and another and another and another. And then we have Episode 9. All because of the fans who wanted more, who loved what we did. So I would say tonight to all the fans who are here, I am very grateful. Thank you.